C'est pas si mal. Maman, mon caniche. Qu'est-ce que tu fais, Jack? On n'étudie pas ce qui tient du hum-hum dans cette classe, fiston. Non, ici, on étudie quoi? Quelqu'un le sait?
Ça commence par la lettre R. La ré... Réalité. Exact, merci. La réalité. Ceci est le monde réel, Jack. Et tout le monde connaît le rôle qu'il doit y jouer. Nos damoiselles sont en détresse. Rapunzel ? Aidez-moi ! Je vous en supplie ! Au secours ! Oh ! Nos princes sont charmants. Salut, prince charmant. Tu l'as dit. Oh non ! Nos ingénues sont terriblement naïves. Grand-mère. 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 Et bien sûr, nos belles sont endormies. Nos demi-sœurs sont méchantes et laides. On est trop canon. Et puis il y a toi, avec cette qualité qui te caractérise, hein? Souviens-toi, Jack, ça commence par un H. L'héroïsme? Exactement. Mais regarde tes notes. Un véritable échec. Tu n'as accompli aucun acte héroïque de tout le semestre. Dois-je envisager de changer ta principale qualité pour une autre? J'en ai une qui commence par I. Id. Id. Quelqu'un le sait? Idiot du village. C'est un rôle des plus honorables dans les contes de fées, figure-toi, Jack. Professeur, j'ai toujours eu envie de devenir un héros. Tu veux devenir un héros? Comme tout le monde dans cette classe. Mais peu y parviennent. J'y arriverai. Tu me fais mourir de rire, Jack. Ça suffit. Tu es trop drôle. Je ne pense pas que tu en sois capable, sincèrement. Franchement, avec tes antécédents familiaux, une seule autre personne est passée à côté de l'héroïsme. Quelqu'un sait qui c'est? Quelqu'un sait? Ça commence par un P. Le P. Le père de Jack. Je suis pas comme mon père. Il a échoué. Non, il a disparu. Au cours d'une quête héroïque. Non, Jack, il a échoué. Il s'est enfui. Moi, je n'échouerai pas. Je ferai des efforts. Je vous prouverai à vous et à toute la classe que je suis pas un raté, d'accord? Vraiment, Jack. Nous nous reverrons lundi. Révisez le repérage des lieux. Hansel et Gretel, essayez de faire mieux cette fois. Pas de lézard. J'ai un plan. Professeur, si j'accomplis un acte héroïque, vous mettrez une bonne note? J'aurais besoin de quelque chose. Ça commence par un P. De preuve? Exact. Réfléchis-y jusqu'à lundi, Jack. Accepte-toi tel que tu es. Boucher, Franck. Oh. Attention. Désolé, monsieur le maire. Tu devrais essayer de regarder où tu mets les pieds, mon jeune ami. C'est bien là mon problème. Oh, bonjour, cher empereur. Oh, monsieur le maire, ça va? J'adore votre nouvelle tenue. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Elle me va comme un gant, n'est-ce pas? Vous êtes radieux. Radieux, oui. Bonne journée à toi. Monsieur Lichfield. Oui? Comment on fait un sacrifice? Oh, j'adore les devinettes. Je n'en sais rien, Jack. Alors, comment fait-on un sacrifice? C'est une question. Oh, tu me poses donc la question. J'ai cru que c'était une devinette. C'est une vraie question. C'est une excellente question, Jack, et la réponse est très simple. Pour faire un sacrifice,
Il suffit de prendre ce que tu as de plus précieux et d'y renoncer pour venir en aide à quelqu'un. C'est vrai? C'est vrai. Et c'est tout? Tu vois, ça n'a rien de compliqué. Merci infiniment. Oh, mais je t'en prie, tu es un brave garçon, un brave garçon. Regarde où tu mets les pieds. Excuse-moi, je dois filer. Cet après-midi, il y a un récital du joueur de flûte. Je ne veux pas être en retard. Au revoir. Mère Michel, Jean de la Lune, cessez vos bavardages. Nous allons encore être en retard. C'est parfait. Qu'est-ce que j'ai de plus précieux, moi? Ma console Vidéoco. D'accord. Bon. À bientôt, alors. Bonne journée, vous aussi. Oui. C'est bizarre. Cette boutique me dit rien. Bonjour, y a quelqu'un? Hein? Hé, hey, alors, comment va, jeune homme? Content de vous voir. Buongiorno, willkommen. Quoi de neuf, petit? Salut. Alors, que puis-je faire pour vous? En quoi puis-je vous aider? C'est ce que j'ai de plus précieux. Je suis prêt à y renoncer, monsieur. Oh! Le vieux bovin numérique, microprocesseur du bonheur, la cybercharolaise, la génisse électronique, COW. La co, ça veut dire vache dans la langue de Shakespeare. Je suis prêt à t'en donner 500 pièces d'or. Pardon? 600 pièces. Non, elle doit valoir à tout casser 50 D'accord, pièces. D'accord, 700 alors. Non, donnez-moi 10. 800 pièces. 5. 900. Mais vous marchandez à l'envers. Ma dernière offre, 1000 pièces d'or. Vous m'aidez pas là. Un bénéfice de 2000% n'est pas un sacrifice. Et je veux faire un sacrifice. Pas d'argent. Faisons du troc. Waouh, quelle grande idée. Pourquoi pas contre un peu de sucé d'année, de poudre d'iocane? Ah non, c'est dangereux pour la santé. Alors contre... Je sais. À minuit, la nuit dernière, une fille a perdu sa pantoufle de verre. C'est une pièce totalement unique, édition collector. Elle vaut une fortune. Non. D'accord. J'ai un rouet qui transforme la paille en or. Tu vas devenir riche. Non. La main de Midas, c'est un peu dégoûtant. Vous comprenez pas. Des haricots magiques. Des haricots magiques? On fait affaire, oui ou non? Vous allez me donner 3 haricots contre ma co? Exact, à prendre ou à laisser? Affaire conclue. Hey! Quelle générosité, quel sacrifice! Alors merci. Je t'en prie, pas de problème. De nada, au revoir. À très bientôt, Jack. Salut, Grayson. Ça, c'est un gentil jar. Maman. Salut, maman. Devine qui a fait quelque chose d'héroïque aujourd'hui. Bonjour, Jack. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Oh, rien. Ça a été à l'école? Ouais. Génial, génial. Tant mieux, chérie. T'as passé une bonne journée? Eh bien... J'ai été renvoyée. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? À ce qui paraît... Les elfes viennent en pleine nuit et finissent notre travail. Le cordonnier veut réduire les effectifs pour pouvoir faire des économies. Ces elfes sont de vrais crétins. C'est pas grave, maman. Ça ira mieux après un bon dîner. Je meurs de faim, pas toi? On n'a pas faim, en fait. Ce
sont des miettes de pain. Ouais, des gamins étaient en train de les jeter tout à l'heure. Mes félicitations, des miettes de pain. Il suffisait de demander notre chemin, Hansel. Les hommes. Assieds-toi, Jack. Jack, nous allons devoir faire quelque chose de très difficile. Nous sommes sans le sou, et je vais te demander de faire un grand sacrifice. Ah, c'est marrant que tu dises ça. Je veux que tu vendes ta côte, Jack. C'est la seule chose de valeur que nous ayons. Mais maman... Avec l'argent qu'on en tirera, on pourra peut-être se nourrir jusqu'à ce que je retombe sur mes pieds. Voilà le problème. C'est pas vraiment possible. Il faut que tu sois courageux, tu comprends? J'aimerais vraiment, mais maman... Il n'y a pas de mais, Jack. C'est que je l'ai plus. Tu veux répéter ce que tu viens de dire? Je l'ai échangé. Quoi? Mais où avais-tu la tête? J'essayais juste de devenir un héros. Oh, Jack! Dieu du ciel, dis-moi que je rêve, tu es comme ton père. Je suis pas comme lui, maman. Oh, Jack. Je te le jure. Y a quelqu'un? Bien sûr. Hé, hey, une minute. Où est passé le prêteur sur gage? Il faut que je récupère ma co. Regardez la triste épave que nous envoie la puissante tornade de la vie. T'es-tu égaré sur les chemins de tes mésaventures, mon jeune compagnon? Hein? T'es perdu ou quoi? Non, je cherche le prêteur sur gage. Sa boutique était là, y a pas une heure. Même endroit, même comptoir. C'est bizarre. En effet, tes paroles sont aussi embrumées que la lande des hautes terres en hiver. De quoi est-ce que vous parlez? Écoute, rejeton, j'essaie juste de mettre de la couleur dans notre conversation. Un peu de vocabulaire, d'accord? Tu crois que tout doit ressembler aux paroles d'une comptine, n'est-ce pas? Un thésaurus, ce n'est pas une espèce de dinosaure. Tu vois ce que je veux dire? Oh, je vois. Où puis-je donc trouver l'honorable établissement dédié à l'échange et à la vente? Quoi? Le prêteur sur gage. Tu vas arrêter avec ton prêteur sur gage parce qu'il n'y a pas de prêteur sur gage. Faudra t'y faire. Génial. Sans sas. Tu parles d'un héros. Tu es un héros? On ne voit plus beaucoup de héros ces temps derniers. De nos jours, on ne jure que par les bandes dessinées. Et par les mangas. Vive la littérature et ses valeureux héros. Excellent. Alors, quelle quête poursuis-tu? Quelle quête? Eh bien, tout héros a besoin d'une quête, d'une cause importante et noble. Ben, je crois que j'en ai pas. Pas de problème! Voyons donc ce qui est disponible. La toison d'or! C'est déjà fait. La quête de l'arche perdue. Non, c'est réservé à ce type-là, avec le chapeau et le... Oh, il est génial, ouais. L'Atlantide? Tu peux rester longtemps en apnée? Non. L'homme de la Mancha. Est-ce que tu sais chanter? Il ne reste plus grand-chose. Qu'un ennemi. Il reste juste le... Attends. Je ne crois pas que cette quête te convienne. C'est trop difficile. Qu'est-ce que c'est? C'est la... La harpe de la destinée. Une harpe d'or qui a été volée et qui doit être restituée. Il faut un héros avec un peu plus d'expérience. Ce n'est pas une quête nouvelle, dans le fond. Je veux essayer. Ah oui.
C'est toi qui l'auras voulu, alors. Qu'est-ce que c'est ? Tout le monde a une histoire. Mais peu d'histoires méritent d'être contées. Vois-tu, garçon ? Une dernière chose. Ceci est pour toi. C'est une clé ? Et qu'est-ce qu'elle ouvre ? Eh bien... elle ouvrira certainement quelque chose au moment venu. Et elle fermera quelque chose pour toi un jour. Merci. Je t'en prie. Une seconde. Les armoiries de notre famille. Porte est fermée. Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Eh oh ! Jack, tu as pu récupérer la cour ? J'ai essayé, maman. Mais la boutique s'est transformée en librairie. Et ça, c'est quoi ? C'est le marchand qui me l'a donné, tu vois. Il a dit que c'était une quête héroïque. Nous revoilà avec tes histoires de héros. Ton père n'était pas un héros, Jack. Même si c'est ce que tu as envie de croire. Il parlait sans arrêt de missions secrètes, de damoiselles en détresse et de géants redoutables. Mais au bout du compte, il nous a abandonnés. Et tu ne croyais à rien de tout ça ? Eh bien, en ce temps-là... non, ce n'était que des histoires. Quand il n'est jamais rentré, ça n'avait rien d'un conte de fées. On ne peut pas se nourrir de rêves, Jack. J'adorerais que ce soit le cas, mais c'est impossible. Ne t'inquiète pas, maman. Je réessaierai dès demain matin. D'accord, mon chéri. Bonne nuit. Bonne nuit, mon cœur. Je me faisais vraiment des idées.
Réveille-toi! 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 Allez, debout! Qui êtes-vous? Jack, c'est moi! Grayson! Notre roi? Cranios, hein? Tu parles ou je rêve? Exact, oui. Je parle et je peux chanter si tu veux. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué. Oui, oh. Il faut que je travaille le refrain, mais tu vois, je... Oh, pardon. Hé, comment j'ai fait ça? C'est quoi ces trucs-là? Tes pouces? C'est grâce à eux que je peux faire ça? Waouh! Cool! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Rien, tout ce que j'ai fait, c'est ingurgiter un haricot. Ils étaient magiques. Bien sûr, ils étaient magiques. Alors si tu es... toi? Alors les haricots... J'ai jamais vu. Qu'est-ce que c'est? Le truc le plus cool, tu rigoles. C'est doué de paroles. Et ça peut faire ça. Salut. Mon petit nom, c'est Pousse les petits pouces. Et je suis amovible. Je peux tourner les pages. Chut. Tu entends? On dirait le son d'une harpe. Une harpe? La harpe de la destinée, c'est ça? De quoi est-ce que tu parles? C'est ma quête. Oh, Jack! Wow! Wow, Jack, wow! Quoi? Wow! Wow, quoi? Jack commence à grimper le long du haricot magique. C'était écrit juste là, je te le jure. Dis-moi ce qu'il dit maintenant. Le texte réapparaît. Il réapparaît. Jack commence à grimper le long du haricot magique. Ainsi commence sa quête de la harpe de la destinée. Une quête incroyable. Allons-y, Grayson. Allez, en route. Quoi, tout là-haut? Ben ouais. Je suis pas sûr, tu vois. Les hauteurs, c'est pas mon truc, désolé. Et les quêtes non plus, tant qu'on y est. Juste ici, j'ai une vieille blessure de guerre, tu sais quoi? T'as qu'à monter là-haut tout seul, tu prends des photos, tu m'envoies une carte postale et tu donnes le bonjour de ma part à la harpe. Tu sais quoi? Tu as raison. Mmh. Reste donc là et fais attention au grand méchant loup, d'accord? Le grand méchant loup? C'est pas génial, la grimpette. Qu'est-ce que t'en dis, Jack? J'ai mon casque et mes harnais. Un haricot magique. Il ne me manquait plus que ça. Et Grayson, hein? Je vois la maison d'ici. Oh, super. Je pourrais descendre et prendre du maïs pour la route. Jack, tu veux bien ralentir un peu, s'il te plaît? Que j'en ai la chair d'humain. Tu es une oie. Alors, Taka, voler.
Oh, tu sais, ça aurait été une excellente idée. Si aujourd'hui, c'était hier. Mais tu peux te servir de tes pouces. Qu'est-ce que t'en dis? Okidoki, mec. Je veux voir si le livre fait mention du petit déjeuner. Je cherche les mots bacon ou crêpe aux œufs ou par exemple biscotte. Ah, le texte apparaît. En grimpant le long du haricot, ils eurent très froid et durent affronter d'affligeantes épreuves. Des épreuves au pluriel? Ça ne pouvait pas être une seule épreuve. Il fallait qu'il y ait plein d'épreuves et pas un paragraphe qui dirait. Grayson se réveille, il avale une madeleine au beurre, il boit une tasse de café avant de retourner au plumard. Non, ça veut dire quoi? Combien d'épreuves? Hé, hey, les gars, vous vous souvenez de moi? La définition de l'ironie. Je te jure que je me vengerai, Maurice. On est arrivé. Lâche le haricot. Impossible. Mes pouces ne veulent pas lâcher prise. Je crois qu'ils sont un peu stupides. D'accord, à trois. Hein? Prêt? Je n'ai pas entendu le 2. Où est-ce qu'on est? Attends, laisse-moi regarder. Voyons. Ah, Jack et Grayson. Grayson? Je suis dans le livre. Je suis l'un des personnages du livre. Jack et Grayson se retrouvèrent dans le labyrinthe du royaume du méchant géant. Tu vois, je suis dans le... du méchant géant. Ah, fichtre! T'as entendu ça? Allez, Grayson! On y va! Comment peux-tu crier sur un vieil homme? Il pleure maintenant. Allez, gamin, je te jure. Monsieur, je suis désolée. Je voulais pas crier. Si je pleure, c'est à cause de ce que tu as dit. Ce mot, tu sais, ce mot. L'art de la destinée? C'est celle-là? Non, non, non. Ce n'est qu'une grotesque imitation.
Ouais, c'est normal. C'est un expert en la matière. Tu vois, elle a été faite par le légendaire Stradivarius. Non, bien sûr que non, voyons. Mais si, c'est inscrit juste là, Stradivarius. Moi, je m'appelle Verisadius. Attendez voir. Ah ouais, d'accord. Et il est célèbre, lui aussi, je crois. Ah, Dieu seul sait à quel point j'aime ma destinée. Ouais, nous aussi, on aime notre destinée. Tout ce que je demande, c'est de savoir en quoi elle consiste. Hier matin même, j'étais une oie. Je dandinais des fesses, j'attrapais des vers de terre. Tout allait bien. Et ensuite, je me suis réveillée avec cette tête à coucher dehors. Avec cette tête affreuse. Non, je fais allusion à une autre destinée. Destinée, ma petite fille. Elle n'a pas toujours été une harpe. C'était une magnifique petite fille dont la voix pouvait arracher des larmes aux anges. C'était la lumière de ma vie. Jusqu'à ce que le géant l'entende chanter et décide de s'approprier la chanson. Oh, ce géant, il est diabolique. Il finit par mettre la main sur tout ce qu'il convoite. J'espère que ce n'est pas toi. Ma destinée. Chante pour moi. Allons, chante. Jamais. Comme elle refusait de chanter pour cette brute, avec un reste de potion volée, il lui a jeté un sort et l'a transformée en harpe d'or. J'ai bien essayé de la libérer comme tant d'autres. Personne ne peut vaincre cet affreux géant. Voilà pourquoi j'essaie de faire une autre harpe pour l'échanger contre Destinée. On lui pose une question et il nous raconte sa vie. Et on en a pour 3h30. Excusez-moi, elle marche bien, votre harpe? D'accord. Mais où est Destinée? L'harpe, maintenant. Le géant l'a enfermé dans le château. Il l'a enfermé à clé. Allez, en route vers le château. Non, 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 tu ne comprends rien, reviens tout de suite. Le labyrinthe est truffé de mystères, de problèmes et d'énigmes. Et le géant connaît tous ceux qui s'y aventurent. Il n'y a que deux types de personnes qui osent s'y aventurer. Les héros ou les fous alliés. Pas de souci. Entre lui et moi, les deux catégories sont représentées. On vous la ramènera. Je vous le promets. On y va, Grayson. On y va, Grayson. Et en plus, il me donne des ordres. Destinée. C'est la science qui perd les pédales et voilà tout. Pesticides, herbicides, hormones de croissance. C'est la nature qui se rebelle. Exact. Ou ce sont des haricots magiques. Ah oui, c'est une autre option, bien sûr, oui. La rébellion de la nature ou des haricots magiques. Je trouve ça si joli. Ah oui, quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça implique? Des problèmes? Avec un P majuscule. Ah, du thé. Oh, c'est gentil. Oh. On dirait un brocoli king size, qu'en dites-vous? Excusez-moi, je crois que mon fils est tout là-haut. Oh, ça va aller, madame, nous sommes des hommes de loi aguerris. Je suis le sergent qui, voici l'officier quoi, et cet horticulteur juste ici est l'officier où? Bonjour. Alors? Alors quoi? Oui? Pas toi! Désolé. Alors, que comptez-vous faire? Eh bien, je compte faire tout ce qu'il me dit de faire. Qui? Oui, qui? Écoutez-moi bien, je vous dis que mon fils doit être au sommet. Où? Au sommet! Non, madame, voyons, je voulais dire où? Oui, chef. Son fils est au sommet de cette plante. Qui? On dit sergent qui, enfin, malpoli. Non, qui est tout là-haut? Non, qui est en bas, voyons. Moi, toi et lui, imbécile. Mon fils est au sommet de cette plante. Quoi?
Oui ? Pas toi ! Désolé. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Qui, moi ? Vous ! Ouh ! Tout ceci est ridicule. Oh, mon petit rossignol adoré. Ne change pas ta chanson pour moi. Ton chant était plein d'espoir tout à l'heure. Je veux savoir pourquoi. Chante. Non. Je te donnerai un cookie. Je ne peux rien manger. Je te lirai une histoire. Non, tu mens comme toujours. Chante. Un héros est en chemin pour sauver destinée au château des demeures. Il va la Oh, vraiment? Qui est-ce, hein? Qui est ce garçon? Parle enfin! Entendu. Je ne pourrai jamais te faire de mal. Mais lui, si. Maintenant, parle-moi de ce garçon. Quels sont ses points faibles ? Non. Bon, si t'as entendu quelque chose d'effrayant et que tu veux rentrer, je le comprendrai. Et si tu veux rentrer à la maison, je n'y verrai pas d'objection. Si tu veux y aller, vas-y, d'accord? Hé, alors qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Le haut de la page 51. Jack est son meilleur ami Grayson. Je n'avais jamais été le meilleur ami de personne. D'accord. Bon, on dirait que le plus dur est déjà passé. Oh, fichtre, j'ai un mauvais pressentiment. Le géant avait envie d'organiser une petite fête de bienvenue. Oh! Une fête! Sur le coup, j'ai eu peur, mais une fête? On va manger des biscuits, de la glace à la vanille, ils vont faire des ballons en forme d'animaux et on fera peut-être un karaoké avant de rentrer. C'est pas vraiment le genre de fête auquel je pensais. Je vais vous laisser faire connaissance avec vos nouveaux amis. Ça. Ah!
l'appel du duvet d'oie. Rien du tout. Ah, waouh, c'était génial. Je veux dire, tu nous as sauvés. Waouh. Je veux dire, c'était... Waouh. J'adore tes roues. Waouh. Moi, c'est Jack. Moi, c'est Gillian. Et c'est qui, cette dinde? Je suis une oie. Est-ce que c'est si difficile à comprendre, bon sang? Et voici Grayson. Mais qui étaient ces gars, au fait? Eux? C'était Dobby Doc. Disons que c'est le numéro 1 de l'équipe de Brutes du Géant. Le géant doit être assez inquiet de vous voir pour qu'il vous les envoie. Le géant doit être assez inquiet de nous voir. Ha! Bah, tu m'étonnes, mon vieux. Là, il va être fou de rage. Écoutez, on ferait mieux de s'en aller. Ils sont faciles à effrayer, mais croyez-moi, ils vont revenir bien plus nombreux et avec autre chose que de simples oreillers. Suivez-moi. Attends, j'ai un mauvais pressentiment, je préfère te le dire. Désolé, mademoiselle, mais nous sommes en mission ultra top secrète, pardon. Oui, vous venez chercher l'art. Comment tu sais ça? Jack, tout le royaume est au courant. Je peux vous aider? Écoute, on apprécie ton aide et tout ça, mais on maîtrise la situation. Hormis ton don éblouissant avec les coussins et les parures de lit, que peux-tu pour nous? Oui, en quoi peux-tu nous être utile? C'est le royaume enchanté de Taliani ici. Vous l'avez atteint en grimpant aux haricots magiques. Le géant fait régner la terreur depuis 30 ans. Il a kidnappé Destinée, la fille de Verisadius, avec qui nous avons construit ce labyrinthe de pierre afin que sa petite fille soit hors d'atteinte. Le géant l'a transformé en harpe magique qu'il garde enfermée dans un coffre qui ne s'ouvre seulement qu'avec deux clés. La première, le géant la porte autour du cou. La deuxième se trouve dans la grotte de cristal. Et je connais ce labyrinthe sur le bout des doigts. J'ai une cicatrice sur le pouce, vous avez vu? Waouh. Et alors? Un sandwich au beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète, j'adore ça! Du beurre de cacahuète, j'adore ça! Du beurre de cacahuète! Ça suffit! Venez! Ah! D'accord! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète et une batte de baseball! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète et une batte de baseball! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète! Beurre de cacahuète et une batte de baseball! Hey! Il interrompt mon grand spectacle musical! Elle est incroyable, hein? Eh bien, je ne crois pas que j'emploierais le terme incroyable. Ce n'est peut-être pas la première chose à laquelle je... En fait, tu vois, même dans le livre, il n'est pas écrit incroyable. En fait, regarde là, c'est... incroyable. Oh, fichtre. Merci d'être venu. Votre attention, s'il vous plaît. Un peu d'attention. Merci. C'est gentil. Le conseil municipal a décidé à l'unanimité que ce haricot magique ne fait pas partie des espaces verts de notre ville et peut représenter une menace pour notre sécurité. Nous allons donc l'abattre sur le champ. Mais monsieur, mon fils est tout là-haut. Si vous l'abattez, il n'aura plus aucun moyen de revenir. Votre fils est tout là-haut? Oui. Ici, non. Là-haut. Non, là-haut. Oh, madame. Je suis désolé. Je suis... Oh, merci. Sincèrement désolé pour ce grand... sacrifice que vous faites au nom de notre ville. Oui.
Vous êtes une femme dévouée, héroïque et courageuse. Merci. Coupons ce haricot tout de suite. Oh non, vous ne pouvez pas. Si, je peux, j'ai dit. Non. Coupons ce haricot non, tout de suite. Ne pouvez pas je faire dirais ça. Que c'est déjà fait et ce qui est fait ne peut être défait. Je suis le maire. Je devrais convoquer le conseil municipal ici même. Ne vous accrochez pas, il y a peut-être des pucerons. Tout ceci est assez inconvenant. Coupons ce haricot tout de suite. Qui va là? C'est nous. Ami ou ennemi? Ami. Ennemi? Non, ami. Allez-vous-en. Je suis sérieux. Du vent, du balai. C'est le centre du labyrinthe? Non. Vous en êtes sûr? Non. Je vois, oui, c'est le jeu des contraires, c'est ça? Non. Je le savais. Il a dit non. Ce qui veut dire oui, pas vrai? Non. Il faut tout comprendre à l'envers? Je serai clair, non. Il y a quelque chose qui cloche bien. Non, attendez une seconde. Nous cherchons la harpe de la destinée, monsieur. Jamais entendu parler. Super, ça veut dire qu'il sait absolument tout à son sujet. Ça sert à rien, Jack. Viens. On dit qu'il faut une clé pour la libérer. Un mensonge à coup sûr. Oui, donc on doit traverser le labyrinthe. Non. Cool. La harpe n'est pas à l'autre bout du labyrinthe. Ah non? Si. Une minute. Elle est à l'autre bout ou si elle n'est pas à l'autre bout? Si. Non. C'est ça. Je comprends rien. Il suffit de réfléchir à l'envers, c'est tout. Comme les imbéciles. Hé hey. D'ici, vous n'atteindrez pas l'autre bout. Oh, parfait. Alors, que doit-on faire? Bien. N'allez pas à gauche et vous ne trouverez pas de porte en fer qui ne mène pas à la grotte de cristal. Merci. Donc, on va sur la gauche, ce qui nous mène à une porte en fer qui donne sur la grotte de cristal où se trouve la clé qui nous libérera. C'est ça? Non. Ouais. Non. Non. C'est un jeu d'enfant. C'est un jeu d'enfant. Vous voyez, c'est facile. C'est un... Attendez voir. Vous avez dit jeu d'enfant? Un jeu d'enfant? Alors d'affreuses choses nous y attendent, non? Non, loin s'en faut. Non, non, aucune, pas une seule, aucune. Oh, fichtre. Bon, vous avez raté le test, on dirait. Alors, allez-y. Allez, ouvrez la clé d'or. Amusez-vous bien. Je vous remercie. Je me remercie. Hé, vous l'avez entendu, il nous dit de rester là. On devrait pas y aller. On devrait peut-être y réfléchir. Merci encore. À vous. Non, de rien, c'est un plaisir. On doit aller à gauche. Pas par là, Jack, c'est par ici. Non, non, il a dit n'allez pas à gauche. Et s'il a dit n'allez pas à gauche, il faut aller à gauche parce qu'il dit tout à l'envers. Excuse-moi, qu'est-ce que tu en sais, toi? Réfléchis, peut-être que le garde nous a donné des indications. Ou peut-être qu'il nous a menti. Écoute, Jack, cet endroit est dangereux. Tu veux vraiment confier ton sort à un poulet? Hé hey! Allez, viens. Non, attends, attends. Écoute, regardons ce que dit le livre. Voilà. Le trio s'aventura dans le labyrinthe, ignorant ce qui les attendait. Hein? Oh non, c'est trop de suspense à la fois pour une oie. Oh, comme si j'avais besoin de ça maintenant. Passez une excellente journée. Ou pas. Bon, d'accord. C'est quoi ce livre? C'est mon histoire. Tu as ta propre histoire? Ben, ouais. Tu veux dire que tout ce que tu fais est déjà écrit? Les gens que tu rencontres et ce qu'ils font sont déjà dans le livre? Oh, oui, suis-moi. Je suis trop mignonne. Je suis la petite Miss Parfaite. Je serai ta meilleure amie. Je te protégerai des oreillers en plumes et j'écœurerai tout le monde. Écoute, c'est quoi ton problème? Mais je n'ai aucun problème. Je suis parfait. Je suis Monsieur Parfait. Voyons voir. Alors qu'il parcourait le labyrinthe, Grayson, qui détestait être en second plan, était rongé par la jalousie, même s'il avait englouti la plupart des sandwichs au beurre de cacahuète. C'est pas vrai, j'en ai mangé que 3. 4. D'accord, 4 maximum, mais ce livre est de quel côté d'abord? Écoute, si elle est si fantastique, comment se fait-il qu'elle n'ait pas sa propre histoire? Pourquoi est-ce qu'elle est dans la nôtre, hein?
Elle est peut-être la partenaire intrépide. C'est moi, ton partenaire idéal. Je suis peut-être l'héroïne. C'est peut-être la méchante déguisée en angelot. Quoi? C'est peut-être la méchante. Je ne suis pas la méchante, d'accord? Tu vois, c'est ce que les méchants disent toujours. Et ensuite, ils concluent leurs propos par un immonde. Je vous l'assure. Je vous l'assure. Tu vois? Oh. Elle cherche peut-être à nous tendre un piège, mon vieux. Quoi? Je reste avec elle. D'accord, on a compris, Jack. Tu n'es pas comme ton père et c'est peut-être là le problème. Tu vois, chaque héros a un terrible point faible qui l'entraîne vers sa chute. Hamlet était plutôt indécis, Achille avait un problème de talent et... Tu essaies tellement de ne pas ressembler à ton père que... Tu vas échouer. Je suis pas un raté. Viens, Gillian, on y va. Reviens. Par ici. Vous avez entendu ça? C'était quoi? Tiens. Ce n'est rien. Suivez-moi. Non, c'est pas... Non, c'est... Par ici. Attendez-moi! Qu'est-ce que c'est? Il va bientôt faire nuit. Il va falloir qu'on campe ici. Venez. Oh. Ouais, comme si on risquait rien par là, tiens. Apprécier les arbres et leur feuillage, leur bonté rustique. Tout ceci est très intéressant, mais nous avons du travail. Je n'ai jamais voulu devenir bûcheron de toute façon. Pourquoi j'ai toujours voulu faire quelque chose d'autre dans la vie. Et qu'est-ce que vous vouliez faire, mon brave? J'ai toujours voulu devenir... Quoi? Quoi? J'ai toujours voulu devenir... Allez, dites-le! Propriétaire d'un magasin d'animaux. Oh. Quoi? Oui, vendre d'adorables chiens, des hamsters. Un petit lapin, un perroquet bleu de Norvège. Un perroquet bleu de Norvège, qu'on l'emmène. Personne ne me chassera d'ici. Personne ne me chassera d'ici. Allez-vous-en, dame, on va abattre ce truc. Personne ne
me chassera d'ici. La voilà, la porte en fer. Tout comme le fou qui parle à l'envers ne l'avait pas dit. Ouais, génial, on l'a trouvé. On n'y voit rien là-dedans. Venez. Oh, oh, y a quelqu'un? Oh, il ne ment pas pour une porte. Qui a pu construire un truc pareil? Oh. Grayson, j'y vois rien. Ow! Qui a éteint la lumière? Attendez. J'ai déjà vu ça au téléachat. Gillian, est-ce que ça va? Oh, super! Deux clés! Il fallait qu'il y en ait deux. Ça ne pouvait pas être facile. Du style, une seule clé avec un panneau qui dit « Prenez cette clé !» Bon, voyons voir. Le type des contraires a dit « Prenez la clé d'or !» Alors c'est facile, on prend. Non, c'est le type des contraires. Alors ça veut dire que c'est le contraire. Donc, on prend la clé d'argent parce qu'il a parlé d'une clé d'or et qu'on peut prendre celle-là. Mais je crois que ça veut dire autre chose. Vous comprenez? Non, Grayson. Mais Gillian a dit de prendre la clé d'or, non? Ah oui. Et Gillian est ton amie. Ces parents. Oui, excellent travail. Ne vous inquiétez pas, on ne sortira jamais d'ici. Fou. Je renifle l'odeur du sang d'un Anglais. Techniquement parlant, je ne suis pas anglais. Je suis une oie du Canada, voyez-vous. Je crois que j'ai un peu de sang italien du côté de ma mère, vous savez. Grayson. Quoi? Ça ne t'est jamais arrivé d'avoir peur et de... Oh! Qu'avons-nous là? Un de neuf? Vous devriez peut-être le rincer avant de l'avaler. Pauvre mouton. 14 carats. Ça vient de moi? Je suis un régime sans fibres, enfin. Je croyais que tu étais un mâle. Je suis un mâle, arrête. Les mâles ne pondent pas. Et les jarres, qu'est-ce que tu en fais, hein? Mâle ou femelle, ce volatile pond des œufs en or, Domino. Je suis une oie. Une oie. Attrape-le. D'accord. Bien. Lâchez-le. Tu pensais vraiment pouvoir me battre? Une petite chose ridicule comme toi? Mais pour qui te prends-tu enfin, gamin? Bien. Et toi alors? Je t'interdis de la toucher, haleine de chacal. Ah, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant. Au courant de quoi? Jack, j'ai essayé de t'en parler. Tu l'as amené ici, tout comme tu l'avais promis. Alors tu nous as tendu un piège, hein? C'est vrai, mais j'avais une bonne raison. Tu dois me croire. Je peux tout expliquer. S'il te plaît, Jack. Bonne nuit. Jack. Entre là-dedans, la petite oie. Fermons la porte. Demandé. On s'était bien mis d'accord. Tu m'as amené Jack.
Alors je vais te rendre ton père. Car je suis un géant qui n'a qu'une parole. Dobby Doc. J'arrive. Oui, patron. Va chercher son père. Oh oui, son père. D'accord, oui, je vais chercher son père. Bonjour. Pas de père, alors? Non, non. Je t'ai eu. Le vieux fou s'est échappé il y a des mois. Il a trouvé un passage vers le monde d'en bas. Il s'est enfui, mais j'ai écrasé les prisonniers qu'il avait aidés. Et devine quoi? Maintenant, je détiens sa fille adorée. On a sa fille. Non, non. Lâchez-moi. On avait conclu un marché. Vous n'avez aucun âge. Passons-nous du haricot magique pour que la terreur qui règne tout là-haut ne descende pas jusqu'ici. Coupez le tronc. Ne la regardez pas. Coupez. On y va. Tais-toi. Mais je veux vraiment t'expliquer. Tu vas te taire à la fin. Boum, un autre de ses œufs. Bon, un œuf, c'est un ordre, tu entends? Écoutez, peut-être que ça ne marche qu'une seule fois. On peut essayer la méthode Lamaze. On aide et on encourage. On aide et on encourage. Bon, et puis c'est tout. Un vrai lingot. C'est bien. Écoute, Jack, je voulais pas que ça se passe comme ça, promis. Je peux tout t'expliquer. T'es la servante du géant. C'est ce que font les servantes. Je ne suis pas une servante. Une fois. Une fille appelée Gillian qui voulait être la plus grande héroïne de tous les temps. Mais son père fut capturé par un méchant géant. J'ai fait ce qu'il fallait pour sauver mon père. Peu importait la manière ou les gens que je pouvais blesser. Et
Maintenant, je m'aperçois clairement qu'il faut bien plus que des actes pour être une héroïne, parce que ce qui compte, c'est d'être soi-même. Bon. Attends. Non. Tu sais, je préfère être n'importe quel personnage de ton livre qu'une héroïne solitaire. Tu n'aurais pas dû faire ça. Personne ne racontera mon histoire. J'ai échoué. Jack, un héros n'échoue que si son histoire se finit trop tôt. Je veux vous aider, toi et Verisadius. Je vais descendre le long du haricot et je vais chercher mon père. Alors, t'en dis quoi, Jack? D'accord. Au travail. D'accord. Bon. Alors, on doit trouver un moyen de sortir d'ici. Il nous faut quelque chose pour essayer de forcer la serrure. D'accord. Incroyable. T'as trouvé quelque chose? Ce sont les armoiries de notre famille. Tu les connais? Le vieux fou s'est échappé il y a des mois. Il a trouvé un passage vers le monde qui est en bas. Il s'est enfui, mais j'ai écrasé ce qu'il avait été. Je crois que je sais ce qui est arrivé à ton père. C'était un véritable héros. Mais il n'est plus de ce monde. Non. Je suis désolée. Vraiment désolée. Non. Non. C'est le géant. Servir du fil de fer pour forcer la serrure et s'enfuir d'ici. Essayons. Tu ne crois pas? Quoi? Bizarre. Encore. Je ne veux pas glisser. Jack, cette fois, tu dois l'accepter. Tu n'es pas comme ton père. Oh, si, je le suis. Quoi? Où tu l'as trouvé? Je l'ai volé. En fin de compte, on dirait que je suis vraiment la méchante.
Tu vois, Jack, je t'avais dit que c'était elle la méchante de l'histoire. Oui, mais je suis une méchante au cœur d'or et toc. C'est ça. Tu as peut-être un cœur d'or, mais en attendant, regarde. Il faut y aller. J'avais juste lui montrer, moi. D'accord. C'est par là. Non, le géant est là-bas. On peut sortir par là. Mais je dois prendre la harpe. C'est ma quête, tu te souviens? On s'appelle demain, d'accord? Non. Maintenant. Par là et par là. Jack. Un ordre, je vois. Oui, je sais. D'accord. Oui, je... oui, vite, on doit lui lancer quelque chose. Pas moi, j'espère. Non, pas toi, tes œufs. Je ne peux pas pondre comme ça, ça n'arrive que lorsque j'ai peur. Ah, ma passe. Ah, mayonnaise. Ah, pourquoi tant de haine? Disons que j'ai été aidé par mes pouces. D'un anglais, que tu sois mort ou encore en vie, je réduirai tes os en véritable bouillie. Oh mon Dieu! Plus vite, voyons! Allons, coupez-moi ça tout de suite! Avec nous, enfin, c'est trop dangereux. Monsieur le maire, bas les pattes et tout de suite. Attention.
Est-ce que ça va? Rien de cassé. Maman? Maman! Tu es sale et sauf. J'ai eu si peur. Oh, je suis si contente que tu ailles. Tu m'as manqué, maman. Ces émotions, c'est une aventure. Regardez qui voilà. Monsieur Thatcher, fils. Je ne m'attendais pas à te voir de si tôt. Je sais. As-tu quelque chose à me montrer avant que je te donne ta dernière note? Ce n'est guère surprenant. Voilà qui ne dément pas le dicton « tel père, tel fils ». J'étais sûre qu'il n'y avait rien. Excusez-moi. Oh, oh. Lancelot ? Square Joe ? Le plus grand vainqueur du défi des héros ? Le héros le plus incroyable que la Terre ait porté ? Voyez-vous, je dois mon salut à un véritable héros, Daniel Thatcher. Daniel qui ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il a sacrifié sa vie pour la mienne. Mais à cause des blessures que j'ai reçues, il m'était impossible jusqu'aujourd'hui de sauver Destinée ou ma propre fille. Alors, j'ai dû me retourner vers le plus grand héros que j'ai trouvé. Son fils. Vous aviez raison. Voilà qui ne dément pas le dicton « tel père, tel fils ». Et je l'ai sur le bout de la langue. Attendez une seconde. Ça commence par un « p ». Un « p ». Quelqu'un le sait ? Preuve. Vous devriez peut-être lire ceci. Il était une fois un garçon qui s'appelait Jack. Sa détermination, sa persévérance et son sens du sacrifice en ont fait un véritable héros. Et maintenant, avec l'aide de ces... Oh, comment appelle-t-on ça déjà ? Oh oui, des pouces articulés. Merci, merci. Je vous en prie.
Maman? Je renifle l'odeur du sang d'un Anglais. Que tu sois mort ou que tu sois en vie, je réduirai tes os en véritable bouillie.